8e édition des Étoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux à la CCI. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Patrick. Ce sont les offs de Sandrine et Patrick et c'est maintenant. Vous avez donc reçu l'étoile de l'innovation RSE, c'est une étoile importante, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Justement tous ces efforts que je fais pour que mes produits soient responsables, je consigne mes conditionnements en verre, ouais. J'essaie d'avoir des circuits courts, mon miel de châtaignier vient d'une apicultrice de Pessac, et en plus d'être reconnu derrière pour cette qualité, c'est génial. En vous, l'année dernière, l'étoile que vous avez remportée, c'était l'étoile innovation RSE. Concrètement, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette étoile, au cours de cette année? Sur l'année où on a eu le prix, véritablement, on a eu, sur les premiers mois, beaucoup de gens qui venaient en disant « je vous ai vu, je vous ai aperçu, j'ai entendu à la radio, sur les réseaux sociaux ». Ça a été vraiment très agréable de la part de la clientèle. Le fait de récompenser certaines entreprises, notamment je pense au jeune chocolatier qui était rue Fondaudège avec les travaux du tram et qui a dû survivre avec le financement participatif, je trouve que c'était une très bonne initiative et je suis très content que ça ait marché pour nous. En quoi c'est important pour la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes d'être associée justement et d'être à l'origine de ces étoiles du commerce? L'idée nous est venue lorsqu'on a rencontré la Ronde des quartiers, de signer un partenariat, mais qui allait être différent, qui n'allait pas reposer que sur une aide financière, mais qu'il fallait qu'on construise ensemble quelque chose qui mette en valeur les artisans, les commerçants, le commerce de proximité.